Les plateformes de médias sociaux commerciaux sont des outils de personnalisation de masse de l'information. Hein. Ça veut dire qu'on est des millions d'usagers à se faire donner chaque jour, en fait, un fil d'actualité qui nous conforte le plus possible dans nos préférences, dans nos goûts, dans nos valeurs. Et ça fonctionne comme ça. Plus on nous donne ce qu'on aime et ce qu'on veut et qui on est, plus on va avoir tendance à y retourner, simplement parce que c'est des outils de personnalisation qui répondent à des besoins ou à des envies ou à des désirs. Et pour ça, ils accumulent énormément de données, ils utilisent ces données-là pour nous renvoyer en fait des contenus qui nous plaisent. Donc, bien évidemment, on clique sur les contenus parce qu'ils sont faits pour piquer notre curiosité, pour piquer nos intérêts. Parfois, c'est des contenus qui sont tout à fait rigoureux et fiables. Parfois, c'est des contenus qui sont très ludiques. Parfois, c'est des contenus un petit peu plus louches. Mais toujours est-il que nos choix et nos préférences sont enregistrés et sont intégrés en fait dans des calculs mathématiques qui aident ensuite à déterminer l'offre médiatique qui va nous être donnée. Donc on a un peu remplacé, si vous voulez, le rédacteur en chef du bulletin de nouvelles de 18h par des processus automatisés qui visent à répondre, mais aussi à anticiper nos goûts, nos besoins et nos désirs.